Ok, on peut? Non, on va se concentrer d'abord, on va voir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. D'accord. Hein? Bien. Ah, c'est cool. Là, vous pouvez se mettre là. On va demander si c'est barricadé par l'envahi. Comment vous vous gérez de cette situation? Qu'est-ce que vous dites que chaque année c'est. Carrément, c'est la même chose. Ah? Et qu'il n'y a pas de place. Votre constance avec les gens. Là, c'est source de maladie. On voit même pour avoir accès, c'est des problèmes. Et ça, ça peut même créer des risques d'inondation. En fait, c'est juste une petite coupe. Voilà. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Et présentez-vous. C'est Mamadou Mokhtar Diallo. Je suis là depuis près de 30 ans maintenant. J'habite ici, c'est ma concession. Vous avez vu ce qui se passe ici. Depuis que la société sénégalaise a travaillé ici, on les avait signalés, on les a dit, ah, il ne faut pas diriger, comment ça s'appelle? Le pont. Le pont là, devant la concession. Ils ont refusé. En ce moment, on avait même vu l'ancien ministre Ousmane Ba. On l'a expliqué. Nous sommes allés plaider. Tout le monde, on s'est réunis ici en commission. Nous sommes allés, mais ils n'ont pas, ils ont fait sourde oreille. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu ici. Maintenant, vous avez vu ce qui se passe ici avec les ordures là. Hein? Nous vivons dans ça. Dès qu'il y a une goutte de pluie, nous sommes envahis. Regardez, je ne peux même pas ouvrir ma porte aujourd'hui. Le portail, je ne peux pas l'ouvrir tellement qu'il y a des ordures ici. Vous voyez, il y a partout des ordures. On parle, on n'a pas d'aide. On n'a pas d'aide du tout. Chercher, hein, si on dit qu'il faut gouverner autrement, je crois que c'est pour aider la population. Nous aider de se débarrasser de ces ordures-là. Mais malheureusement, on ne voit rien. On ne voit rien. C'est ça, c'est ce que j'avais à dire. Votre souffrance, est-ce que... personne n'est mort ici, personne n'a été blessé à cause de ça, des ordures? Non, pour le moment, personne n'est mort, personne n'est blessé. On ne peut pas aller au-delà pour dire qu'il y ait des morts ou bien des blessés. Il n'y en a pas eu pour le moment. Mais c'est parce que chaque année, moi, je paye. Je sors de l'argent de ma poche pour payer des gens venir dégager ce que vous voyez ici. Chaque année. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Une fois, j'ai appelé les gens de Al-Bayrak, ils sont venus m'aider. Ils ont venu m'aider une fois, mais depuis ça, personne ne fait fi. Même les responsables du quartier ici. Il n'a même pas de route, c'est lui qui a mis la terre là, ici. Il veut construire en bas. Tu as vu ce qu'il a mis là? Bon, il n'a même pas de route. Hein? Il n'a même pas de route. Il veut construire là-bas. Il n'a pas de route. Hein? Il bloque carrément ici. Par où passent les ordures. D'habitude, les ordures passaient par là. Maintenant, il a bloqué ça. Il n'y a pas de passage. C'est ça le problème. On a de sérieux problèmes. Hein? Si.
remonter par là, là, ici. Vous avez vu ce qui se passe.